Longchette est en cours de reclassement. Ouais. Donc pour l'instant, elle est plantée uniquement de façon expérimentale, avec des droits expérimentaux. On devrait avoir une première production cette année. Donc ça, c'est pas moi, c'est l'association. Donc les bois ont été, donc ce cépage, c'est un vigneron donc, de Saint-Joseph qui travaillait auparavant à Lonivin et qui connaissait bien la vallée du Drac, qui nous a dit, mais il y a ce cépage qui était très répandu vers chez vous, notamment plutôt vers le Drac que sur le Trièvre. Enfin, ici, on a bien vu que les hybrides sont arrivés en force et ont détrôné donc, tous les Vitis vinifera. On ne sait plus maintenant, même nos anciens, même les grands-parents qui ont une centaine d'années ne savent plus. Par contre, Longchette est là-bas à titre expérimental et on va bien voir ce que ça va donner. Et à partir de là, une fois qu'elle sera reclassée au niveau national et au niveau de l'IGP Isère, je pourrai la planter et je compte bien en planter moi-même un hectare quand ce sera le moment. Voilà. On a retrouvé dans la vigne de Yvon des étraires qui, lui, il pensait que c'était des gamets. Mais en fait, c'est de l'étraire de la nuit, donc c'est typiquement isérois. Ah bon. C'est probablement des plants qu'il a pris en Isère. Il a toujours dit que c'était des gamelles, lui, avant. Oui. Ouais. Mais les experts sont venus et nous ont dit que c'était, que c'était de l'étraire de la nuit. Et il n'en était même pas tellement content, il craignait la maladie, il ne produisait pas tellement. Par contre, les lambeaux qu'il avait là-bas à côté, ils faisaient bien, quoi. Et les miens à côté, bon, ben, ils n'ont pas fait pareil, parce qu'on a dû m'arnaquer dans les plats. Donc Longchette, on ne sait pas encore du tout ce que ça va donner. Hein. On a retrouvé, donc ça, c'est des pieds qui viennent de Vassal, mais donc dans l'année dernière, on a retrouvé une parcelle dans une à Valbonnet, à côté, dans une région voisine, où on a trouvé une vigne centenaire dans laquelle on a retrouvé une cinquantaine de plants Longchette, justement. Donc d'autres individus. Hein. C'est la taille, donc on voit bien qu'ici, ça avait gelé, c'est reparti sur un entrecœur. Donc moi je vois que le sarment qui est à côté il est un peu plus gros donc je vais supprimer celui-ci. Et puis on a un sarment suffisamment gros pour former un tronc. Donc on va le laisser suffisamment grand. Et peut-être même une baguette. Donc voilà, là le fil porteur n'a pas été encore tendu, on va le faire bientôt. Et on va sélectionner, donc laisser les bourgeons supérieurs, en supprimer quelques-uns au pied pour ne pas revenir à les bourgeonnages. Et voilà, et on espère donc avoir du raisin sur cette baguette cette année, voilà, et pouvoir faire notre première micro-vinif.